Un chat était curé de Saint-Germain-des-Prés. Des curés aussi bien logés, il n'y en a pas tant en France. Celui-ci aurait dû bénir la Providence. Il se plaignait de ne pas y trouver des souris à sa suffisance. Non qu'il y eût au flore ou même au de magot pénurie de souris, mais elle n'aimait pas les entretiens des veaux et les souris qui hantaient son église. Souris tristes à robe grise avaient fini par lasser notre chat. Pour les apôtres, à quoi les convertir, leurs idées sont les vôtres. Ils rêvaient d'arracher les autres au chat, 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 au mégot, à la romerie, et de les transformer en enfants de Marie. Comment y parvenir dans sa robe de chat? Chanoine, excite la méfiance. Il fallait entrer dans la danse, les amuser, leur plaire, après les convertir. Il se déguisa en jeune homme vêtu d'un pull vert, vert pomme, se mit à boire et à sortir, à traîner la nuit dans les boîtes. En vain, il ne rendit nul sourire. Benoît, il perdit son temps et ses pas. Après un an d'affreux déboires, il comprit, regagna sa cure. Hélas, il dut faire une cure et redoubler de dévotion. À défaut d'une conversion, il y avait gagné l'habitude de boire. Pour convertir les demoiselles, il faut être leur amant. Si elles vous trouvent charmant, peut-être alors écoutent-elles entre deux baisers la leçon. Et pour faire plaisir à celui qu'elles aiment,